Oui, merci de la précision. Donc moi je suis Yohan, je viens du Réolais aussi. Et donc je représente le collectif L'Appel du 18 mai, ni haine ni mépris. Et donc en fait on s'est créé le 18 mai dernier à la vision en fait de l'évolution de la pensée de l'extrême droite. Et on s'est dit en fait qu'on ne pouvait pas laisser les choses se faire. Et donc on avait vraiment envie d'agir. Donc aujourd'hui... c'est un collectif qui se structure. Il y a 220 personnes dans la mailing list aujourd'hui. Normalement, en fait, j'étais censé vous lire un texte, parce qu'on a une réunion ce soir, qui devait être validé, et il ne m'a pas été envoyé. Donc du coup, je vais dire quand même ce qu'on dit. Voilà, au naturel. Donc ce collectif, en fait, voilà, 200 personnes, on est 30-40 actifs. L'intention, en fait, c'est vraiment justement d'aller toucher les gens qui ne votent pas extrême droite par conviction. Mais ce qu'on appelle les fâchés pas fachos. Voilà, en tout cas, et donc de pouvoir aller se confronter à ces populations-là pour leur dire le péril en fait, qu'il y a face à l'avènement en fait, de l'arrivée de ce type de pensée. Et donc aujourd'hui, on structure notre action avec... des actions sur les places publiques. On veut aussi, nous, se confronter. En fait, il y a pas mal de gens qui sont... qui se retrouvent un petit peu démunis face à des arguments de l'extrême droite en disant « mais je sais plus comment répondre, en fait, avec des arguments un peu sourcés, etc. » Donc, du coup, on veut mettre en place des ateliers pour se confronter nous-mêmes à savoir répondre à ce genre d'arguments, en fait. Et en fait, le texte que je devais vous lire, c'était un texte d'union, justement pour dire que toutes les forces que nous, on a réussi à collecter, donc il y a des gens encartés, des gens non encartés, mais tout le monde est hyper politisé, évidemment. Et en tout cas, ce qu'on voulait dire dans ce texte, qui va vous arriver, en fait, au moment, c'est que nous, en tout cas, on va mettre notre force pour les 3 prochaines semaines derrière votre candidature, Mathilde et Lionel. Sur la 9e, parce que du coup, il y a un point focal autour du Bazanais. Et donc, on est un peu à cheval sur la 9e et la 12e. Et donc, il y a un peu deux forces qui vont se mettre en place pour soutenir toutes vos candidatures, les deux candidatures. Voilà, merci. Merci.